Brouille diplomatique entre Israël et la Norvège. Le ministre israélien a annoncé la révocation du statut diplomatique de 8 fonctionnaires norvégiens auprès de l'autorité palestinienne. En cause, la reconnaissance de l'État de Palestine par la Norvège le 28 mai dernier, mais aussi sa participation à une action en justice contre des dirigeants israéliens devant la Cour internationale de justice. Israël a également mentionné des déclarations de hauts fonctionnaires norvégiens contre Israël. En réponse, la Norvège a qualifié la mesure d'acte extrême et a déclaré qu'elle aurait des conséquences sur ses relations avec Israël. Les tensions diplomatiques entre Israël et les pays soutenant la cause palestinienne continuent de s'intensifier. En mai dernier, Israël avait ordonné au consulat d'Espagne à Jérusalem de cesser d'offrir des services consulaires aux Palestiniens à partir du 1er juin. Une mesure punitive faisant suite à l'annonce par Madrid d'une reconnaissance à venir de l'État de Palestine.